Et c'est qui fait une brocante aujourd'hui? Eh bien, c'est la gargouille. Alors, figurez-vous que je me suis levée, il était 5h du matin. J'ai pris mon courage à deux mains pour aller à cette fameuse brocante, donc pour exposer. Et ben, déjà au démarrage, on m'avait piqué ma place. Ça commence bien. Et vous avez vu, hein, je me suis apprêtée pour l'occasion, histoire d'attirer le client. Ça commence. Oh, vous voyez, je suis toute belle. Si avec ça un client n'arrive pas, je sais pas ce que je vais faire. Donc voilà, ben, j'ai tout installé, mais j'ai plus qu'à attendre. Et puis on verra bien ce que ça va donner. Pour l'instant, il est quelle heure? 8h? Non, ouais, 8h, je ne sais même plus. J'ai vendu pour 2 €. Je suis hyper riche. Bon, peut-être qu'on s'en reprendra un peu tout à l'heure ou en fin de journée, j'en sais rien, mais c'était la petite aparté pour l'instant. Et je vous dirai pour combien éventuellement j'ai vendu. Alors, sachant que moi, je ne suis pas la reine de la négociation. Enfin, ça dépend. Je commence à bien m'y faire. Et puis, par contre, les bonjours des gens, ça, c'est qu'autre chose. Je suis obligée de les reprendre. Bon, allez, on s'en reprendra tout à l'heure. Bon, ça y est. La brocante est terminée. Donc, du coup, ma place que j'avais ce matin... Je mâchouille un chewing-gum parce que j'ai un BZF. Avait été prise eh bien, par quelqu'un d'autre. Donc, du coup, on m'a rebifurqué ailleurs. Et c'était sur une place de parking. Et là, franchement, j'étais un peu en marge de la société. Nous étions que deux. Donc, j'avais vraiment beaucoup d'espace. Donc, pas de problème pour manœuvrer tout. Et des gens sympathiques. Et tellement sympathiques en fait, eh bien, qui sont venus me parler beaucoup, 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 beaucoup. Donc du coup, c'est vrai que ça a été une journée un peu épuisante pour moi, puisque avec tout le brouhaha en fait de la foule, plus en fait de devoir eh bien, être hyper sociable avec mes voisins, c'était un peu fatigant. Mais c'était des gens charmants. Et qui avait quand même une bonne tchatch, hein, pour parler. Et du coup, la femme arrive à un moment, elle me dit, oh, ben, si jamais t'as besoin d'aller aux toilettes, elle commence à me tutoyer, elle me connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Ben, si tu veux, je garde ton stand, là. Moi, j'étais là, j'avais des yeux ronds comme des billes. Je dis, mais ouais, ok. Je dis, ben, d'accord, pas de souci. Et puis, arrive un moment, bon, bah, c'est tout, je suis partie faire ce que j'avais à faire, donc elle a gardé mon stand. Et après, eh bien, du coup, elle venait très souvent parler, et je l'ai écoutée, hein. Et en fait, elle me disait qu'elle avait deux petites filles, enfin, une plus grande et une plus. Une de 11 ans et une de 4 ans. Avec des jolis prénoms et tout. Et elle me disait que sa fille de 11 ans ne savait pas lire. Et je lui dis, mais pourquoi? Et en fait, elle me disait qu'elle avait une déficience visuelle enfin, de naissance. Et que potentiellement, quand elle serait plus grande... Il doit se demander ce que je fiche. Je suis garée au bord d'un champ. Et donc, je reviens à mon histoire, elle me disait que normalement, plus tard, elle devrait pouvoir être opérée pour réacquérir un peu de visuel. Et elle me disait que l'école où elle était, qui la prend en charge depuis un petit moment, eh bien, ça fait seulement maintenant qu'elle apprend le pré-braille. Et j'ai pas trop voulu poser trop de questions, mais... Je me dis, mais si elle est en charge depuis un petit moment, comment ça se fait qu'à 11 ans, elle ne sache pas lire le braille, en fait? Puisque si elle avait été prise plus tôt, eh bien, la petite fille saurait déjà lire le braille, en fait. Et elle m'expliquait eh bien, toutes ces mésaventures qu'elle avait eues par rapport à son enfant, et qu'elle avait juste ça, enfin, juste ça. C'est déjà pas mal au niveau de son handicap. Et que sa deuxième petite fille, donc qui avait 4 ans,
était une vraie tornade et agissait plutôt comme un garçon. Arrivé un moment, on continuait à discuter et puis elle me disait qu'elle avait vu, quand je m'étais absentée, une personne qui était handicapée. Et elle dit, mais elle me tutoie, elle me dit, mais tu sais, il a fait comme tous ces autistes qui braillent et qui hurlent pour tout. Et moi, je lui ai pas du tout dit en fait que mon enfant était en situation de handicap et qu'on avait un autisme. Eh bien, dans la famille, quoi. Enfin, on en a même deux. Et là, dans ma tête, mais je me dis, parce que c'était quand même assez péjoratif ce qu'elle disait par rapport aux autistes, alors que sa première fille était, était dans le handicap. Et c'était stéréotypé, en fait, c'est ça. Pour elle, elle me disait, tu sais, tous les autistes, quand ils braillent comme ça, ils hurlent, on ne sait pas pourquoi. Mais en fait, j'avais envie de lui dire, mais tu sais, parce que du coup, je l'ai tutoyée. Ah, elle me tutoie, je la tutoie. Elle me disait, je te trouve sympathique, je te tutoie. Bon, ok, la permission de te tutoyer, bon. Bref. Et en fait, je reviens sur le stéréotypie. Mais tous les autistes ne sont pas dans les cris. Et en plus, il n'y a pas que le trouble du spectre autistique où on peut crier aussi. Il y a des autres pathologies où les gens crient et ils ne sont pas forcément autistes. Donc il y a quand même une méconnaissance vis-à-vis de certains handicaps. Après, je n'en veux pas, hein, je n'ai pas relevé le truc. Mais dans ma tête, je me suis dit, il y a encore des stéréotypes, et il y en aura toujours de toute manière hein, face au handicap. Et puis c'est tout, la journée continue. Et puis elle me dit, si tu veux manger, je peux te donner à manger. Je lui dis, non merci, j'ai ce qu'il faut, c'est gentil. Et puis après, ils ont bu un petit peu. Et puis elle me dit, je te ramène un petit coup à boire. Alors j'ai pas voulu... J'ai pas voulu refuser. Et finalement, j'ai bu un petit gobelet comme ça de champagne. Alors, c'est pas ça qui me fait rigoler, hein, pas du tout. Il m'en faut quand même un petit peu plus. Mais du coup, j'ai bu un petit peu de champagne avec des gens que je ne connaissais pas, ni d'Adam ni d'Ève, et que j'étais hyper sociable, non seulement avec mes voisins, mais avec tout le monde toute la journée. J'étais super gentille, fallait voir. Mais ça m'a demandé en fait vraiment un effort. Après, c'est pas que je déteste les gens, hein, loin de là, mais en fait moi ça me demande beaucoup d'efforts de concentration tout simplement, et de devoir m'adapter face aux gens. On sait jamais trop quoi dire, quoi faire, enfin plus ou moins on va dire, parce que mais c'est dans l'approche. Et comme moi des fois j'ai une sens de répartie qui peut un peu choquer, mais bon, y en a quand même un ou deux où je les ai fait rire. En fait, ils m'ont lancé sur un truc. Comme j'ai mon chapeau, en fait, c'est un chapeau que j'ai depuis. Bon, et là, il est tout, il a morflé ce chapeau-là. Et en fait, l'homme il passe et puis il me dit, il vous manque plus que le revolver, en fait. Il s'attendait pas à ce que je lui dise, il est chez moi, j'ai pas le droit de le prendre là, sinon il serait avec moi, il serait chargé. Mais en fait, je lui ai dit d'un air sans rire, vraiment un air posé et hyper sérieux. Et là, il m'a regardé en deux trois fois en se demandant si je rigolais ou pas. Je l'ai bien vu à sa tête, hein. Et donc du coup je lui dis que je plaisantais, évidemment, mais que je n'avais pas de revolver, mais une arbalète à main. Et là, il l'a rebloqué. Et puis bon, il est parti, donc il ne sait toujours pas si c'est vrai ou pas. Des fois, je vous jure, je muse. Mais bon. Et après, sur la fin de soirée, alors, j'ai quand même vendu pour 80 euros. Donc c'est pas mal.
Donc avec ça, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Qu'est-ce que je vais pouvoir acheter? À 80 euros, 500 grammes de beurre, et puis 3 kWh. Et encore? Je sais même pas si 3 kW, c'est pas plus cher que 80 euros. Ah bon sang de bonsoir. Et donc sur la fin de journée, eh bien ces deux enfants, cette personne-là, sont arrivés. Et j'ai vu effectivement la plus grande qui a effectivement une déficience visuelle. Et, mais il y a sûrement et fortement une autre, un autre handicap en fait. Et je pense que la femme... est-ce qu'elle a conscience de son autre handicap ou pas? Je me pose la question. Donc, est-ce qu'elle s'en... Enfin, ça se voyait, elle n'était pas... Si vous voulez, elle entend très bien. Donc, quand on lui parle, quand on lui parle, elle répond. Mais elle répond pas... elle répond pas normalement en fait. Et donc du coup, je pense que cet enfant va avoir, malgré le début du braille, aura beaucoup de mal dans l'apprentissage, et il va lui falloir énormément en fait de soutien et de structure pour l'aider à progresser. Mais comme on sait, je préfère en rire, hein, mais je ris jaune, mais comme on sait que eh bien. Que tout part en vrille dans notre très chère et profonde France, et que si tu n'as pas des moyens financiers super hauts, eh bien tu n'es pas forcément aidé. Et puis quand tu râles, eh bien tu es encore moins aidé, parce qu'il y en a des fois, je vous jure, ah, faut voir. Mais bon. Toujours est-il que voilà, c'était le retour de la brocante, mes péripéties. Et puis du coup, j'ai discuté avec la petite fille. Et donc, en fait, elle confondait aussi les jours. Donc, j'ai demandé la permission de lui toucher les mains. Hein, parce que bon, quand on s'approche, et vu qu'elle ne voit pas, en fait, si on veut s'approcher, ça peut avoir un effet de surprise. Donc, je lui ai posé la question, est-ce que je peux te toucher les mains, te serrer la main, et puis me présenter. Donc, elle m'a dit oui, mais c'est vrai qu'elle était... on sentait qu'il y avait autre chose derrière qu'une déficience visuelle. Donc, toujours est-il que j'espère que cette petite fille, eh bien, je lui ai souhaité bon courage, hein, qu'elle va pouvoir bénéficier de, eh bien, de cette future opération plus tard, hein, pour acquérir un peu plus de vision. Et que, eh bien, y a des choses qui seront mises en œuvre pour aider, pour l'aider, tout simplement. Et oui, encore autre chose. Sa maman, du coup, qu'elle me trouvait fort sympathique, eh bien, m'a demandé si on pouvait être amis sur les réseaux. Alors, moi, je vous avoue que j'ai pourtant un certain âge, mais j'apprends encore à dire non sur certaines choses. Mais j'ai encore du mal. Ah, donc j'ai accepté. Mais je l'ai prévenu que de toute manière, je ne serai pas, enfin, je ne suis pas forcément H24 sur Facebook, et que je ne lui répondrai pas, eh bien, toutes les semaines ou toutes les deux semaines ou tous les mois. Donc j'espère que je vais pas trop la froisser. Alors je savais pas comment faire en fait. C'est ça le truc. C'est que sur des personnes où je sais que je vais, comment vous dire, avoir des interactions sur une plus ou moins long terme. Donc j'accepte un peu plus facilement de communiquer en fait via les réseaux. Mais sur une personne en fait que je sens que j'aurais pas l'envie de parler plus que ça, j'ai un petit peu de mal. Donc je savais pas comment faire, parce que je me dis, si je dis non, bah est-ce qu'elle va mal le prendre? Si je dis oui, ça fait que moi, quelque part,
je vais être obligée un peu d'honorer, eh bien, quand elle m'enverra des messages. Tout du moins, je l'ai bien prévenue que, voilà. Mais je ne sais pas ce que j'aurais dû faire. Dire oui ou dire non. Sachant qu'il y avait une autre option. J'aurais pu dire, je n'ai pas Facebook, par exemple. Mais le problème, c'est que j'ai du mal à mentir. C'est ça le truc, c'est que si je lui dis, ben non, j'ai pas Facebook, en fait, dans ma tête, je dis, mais t'as menti. Alors que je sais qu'il y a énormément de gens qui mentent sur Terre, mais énormément. Mais moi, ça m'aurait, sur ce truc-là, ça m'aurait posé un problème d'éthique personnel. Ah, c'est que personnel. Donc, je savais pas comment faire avec ma neurotypie, ma neuroatypie, oh, n'importe quoi. Il y a des fois, je sais pas. Des fois, je plane à 6000 ou... Des fois, j'arrive à... Comment dire, à prendre la tangente. Mais là, je savais pas quoi faire. En plus, j'étais fatiguée. Bon, bref. Bon, profitez-en de me voir. Eh bien, coiffée, maquillée, chaperonnée et tout ça. Parce que je sais pas si ça va revenir demain. N'importe quoi. Bon, allez, sur ce, très chers compatriotes, tous ce brave que vous êtes, je vous souhaite énormément de courage. Je vais aller mettre mes quelques deniers sous mon matelas. Ah non, pas sous le matelas, parce que c'est là où, en fait, on cherche plus facilement. Peut-être creuser un trou dans le jardin et planquer ça quelque part, parce que 80 euros... Même pour les échanger en argent ou en or, j'arriverai pas. J'aurais quoi? Une paillette d'or? Avec ça, j'irai pas bien loin. Allez, sur ce, j'arrête et je vous dis à très bientôt. Allez, portez-vous bien. Salut, salut!